Voilà, notre Sim, notre Sim. Premier Sims qui a inspiré ce jeu. Que l'on pouvait voir évoluer à l'écran. Oui, on pouvait pas lui demander tout, mais il le faisait d'office. Tout et n'importe quoi, il le faisait d'office. Avec son compère, faisait d'office. Avec son compère Castelli, son regretté Castelli. Tu sais quel était le premier travail de Sim? Non, il se déguisait en chèvre, non? Non, il était, si tu voulais. C'était quoi son prénom à Sim? C'était Sim, non? Je ne sais pas, je crois que c'était juste Sim. C'était Sim Sim. Alors... C'est-à-dire faire évoluer le personnage, le faire quitter la maison de maman. Choper des thunes à maman, ça c'est important. Oui. Avoir une vie sociale, rencontrer des jeunes filles, pouvoir forniquer à tout va, avoir un jacuzzi dans le salon. Tu vas pouvoir faire plein de choses. Pas à peu près ça. Sim n'était ça pas très poilu. Par contre, Sim avait une coupe de cheveux. Il était bien dégarni. Il avait une espèce de tout au-dessus de l'oreille. Il était. Ah, ça c'est facile. Et pas les yeux. C'est dommage, ça manque un peu de volume. Il n'a pas les yeux verts. Il est encore vivant. Il a dit laver la maison, on va devoir s'amuser, on va devoir regarder la télé, réparer. S'amuser, ça va, mais la vie, c'est déjà chiant dans la réalité, alors se devoir se la taper sur une console que nous offre la vie, tous ces petits aléas, ces petites anecdotes, aller faire popo. Mais c'est ça, il va falloir laver les toilettes, tirer la chasse, parce que l'hygiène, c'est important. Sinon, on a un mauvais moral, mauvaise note au travail. Regarde. On est viré. Regarde bien. Ça, on veut participer. Voilà, on peut s'orienter à l'aide de ce petit faisceau lumineux. Écoute, là, elle gémit, non? Ah, elle est contente Généralement, quand on est dans une cuisine, on est content. T'es en train de faire un truc. On s'assoit. Bon, on est dedans, tu vois, et voilà. C'était un joli rêve, c'était déjà pas mal. C'était déjà bien. Si j'ai mis comme ça dans mon jacuzzi, moi je me réveille pas, maman peut crier. Hein. Oui, non, maman, s'il te plaît. Maman peut... De créativité et de comment on pourrait appeler ça Où veux-tu en venir? Tourne autour du pot, je trouverai. Pour réparer, pas mettre tes mains dans une télé sans savoir auparavant comment est faite la télé, ce qu'il faut faire pour faire la réparation. Ensuite, tu pourras taper maman, enfin, c'est-à-dire emprunter des sous à maman. Créer un gouvernement que de gens beaux. Est-ce que je peux fabriquer que des gens beaux au gouvernement? Laisser les gens moches dans la rue? Ça reste compliqué, on va commencer au bas de l'échelle par exemple. On va commencer au bas de l'échelle, je vais te montrer. Parce que ça, c'est un rêve ça. Pour être président, même si je suis pas beau, je suis la tête des gens beaux. Tu vois ce que je veux dire? Je suis à la tête des gens beaux, même si je suis pas beau. C'est compliqué, c'est compliqué. C'est compliqué, Yann. C'est-à-dire, faut être un bon cuisinier, un bon mécano, une bonne créativité, faut être beau aussi, le physique, ça va pas être évident avec monsieur dégarni. Là, on l'a mal choisi. Faut avoir... Parce que j'ai pas encore appris à bien cuisiner. Alors, forcément, je ne sais pas que dans le four, il ne faut pas mettre de la paille ou des choses comme ça qui ne se cuisinent pas. Allez. J'ai peut-être mis mes vêtements dans le four, je ne sais pas. Donc là, il faut appeler les pompiers. Mais de temps en temps, la dame qui est un peu sénile, maman qui est un peu sénile, parfois fait pipi comme ça dans la maison si tu ne l'emmènes pas aux toilettes. Si. Et ça fait une flaque. Il n'y a pas de couche confiance pour elle? Bah je sais pas si. Ah ça, il n'y a pas l'option couche confiance. Non. Activité, par exemple. Ah oui, parce que qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux me servir un petit expresso. Regarde, là il y a la machine à expresso. Mais sa vie est passionnante. Oui, voilà, je vais aller boire un café après avoir fait caca. Je vais boire un petit expresso. Est-ce qu'on peut avoir des comportements entre guillemets déviants? On peut. C'est-à-dire forquer le fisc pour se construire une piscine dans le jardin, c'est possible? La morale en série, ça c'est pas possible, on ne peut pas tuer. On ne peut pas tuer. Mais sinon on peut faire pas mal de choses. Je pense qu'on peut mettre une cagoule en cuir et aller voir un voisin un petit peu. Voilà. Et puis sympathiser avec un sadomasochiste. Je pense que tu peux faire des choses. Avoir une petite barre de relation, c'est-à-dire que si je m'entends bien avec ma maman, elle va plus facilement me prêter de l'argent. Mais il faut faire quelque chose. Par contre, là j'ai fait cramer deux fois le four, elle va pas être contente. Non. Bon, on m'a dit qu'il y avait des gens qui avaient fait construire une piscine dans le jardin, mais ils avaient oublié la petite échelle. Alors ils nageaient jusqu'à épuisement et puis ils crevaient tous. Oui. Et on perd de nombreuses familles comme ça. Faut faire attention. Faut faire gaffe. Tous les gens ne sont pas des nageuses d'est allemandes avec de grosses épaules, ils peuvent pas se tracter en dehors de la piscine. Faut penser à tout ça. J'ai vérifié, l'hygiène n'est pas bonne. Hein. L'hygiène n'est pas bonne. Tu pues le poney, mon garçon. Tu pues le poney, tu vas vite. Mais non, ça sent le fennec malade là. Alors on y va. Old school! Presse de montagne, pardon, tu as mis ta main. Oh, ouais, ça va. Infiltrez-le et neutralisez-le. On va infiltrer l'ennemi. Alors, infiltrons l'ennemi parce que, de toute façon, on sait bien le faire, ça. On sait bien le faire. Nous avons à buter. Tiens, je m'en refais un pour le plaisir. Tiens! Allez, hop! Et un deuxième! Comme une libellule. T'as jamais brûlé une libellule, toi? Non, jamais, j'aime bien les animaux. Moi, je prenais un aérosol comme ça avec mon briquet et je cramais les libellules. Regarde, Robotech. Brûlez leurs ailes. Tu crois que c'est lui, le boss? Ouais. Eh bien, non! Voici la grosse tortue dégueulasse. Oh, la. Il va se retourner. Elle va montrer sa vieille tête de... Attention. Oh, regarde-moi ça. Un monstre à deux faces. Salut mon loulou. Oh le vilain. Alors j'ai encore droit à une touchette. Il va falloir que j'arrive à le buter. Voilà, là il va nous... Voilà, il a des problèmes. Oh, la gastroentérite. Là on est content de le buter celui-là parce qu'il est vraiment pas... C'est horrible. Il est pas chouette, il est pas chic. Ça c'est horrible, il est pas chic du tout. Hein? Non mais je suis là pour t'éduquer.
pour m'éduquer. Je suis là pour t'initier. Pour m'initier, oui, je préfère. Attention, m'éduquer, moi. C'est vrai que tu as une bonne culture. Je ne suis pas un animal. Alors, on commence directement. Et le L2, si oui. Avec le L2, tu vas bloquer ton gun. Chouette, je ne veux pas te faire mal. Attention. Alors voilà, tu es déjà parti. Ah, je suis tombé de ma monture. Hop là. Encore une fois. Tu vois, c'est très difficile. Oui, c'est pas évident. Hop là, bah oui, là j'ai oublié de sauter. Très bien. Ah, c'est quoi ce missile là? Ah, mais je suis là, moi. Ah bon. Hop là. Et on s'est fait shooter. Bon, rappel, tout est dit. Tout est dit. Nous en sommes à la fin de ce level 1 et nous vous saluons. Au revoir, merci. Au revoir. Et que dire d'autre? Ou qui met en scène ce fameux diable de Tasmanie? Et ça existe vraiment, un diable de Tasmanie? Oui, ça existe, mais ça ne ressemble pas trop à ça. Et c'est vrai que c'est assez violent comme bestiole. Ah bon? Ouais, ça s'apprivoise pas. Ça vide les poubelles, ça sent le rat mort. Ah ouais, j'ai ma vie. Ah oui, ça a été écrit par les plus marrant. Grands. Ça a été écrit par les plus grands. Il y a un grand professionnel du rire. Voilà, voilà. Donc on va arriver à un niveau de cel shading qui est peut-être un petit peu supérieur dans la qualité des textures. Tu crois, toi? Je m'énerve, je m'emballe. Ouais, tu t'emballes un petit peu. T'emballes un peu, c'est Tasmantide. Hein. Reviens. J'en ai une pas mal, hein, monsieur, madame. Vas-y. Monsieur et madame, Groix dans ma baignoire et je sais pas quoi en foutre, ont un fils. Comment s'appelle-t-il? C'est Gédéon. Gédéon Groix dans ma baignoire et je sais pas quoi en foutre. Gros bof. Ah, t'imagines, tu rentres chez toi, il y a des Hongrois nus dans ta baignoire? Tu fais quoi? Ah oui, moi j'appelle la police, hein, les CRS tout de suite. Le pneu, on ne peut pas. C'est un jeu pour enfants, ça. C'est un joli jeu pour enfants. Hop là, tu ne mourras pas, malheureux. C'est coloré, c'est chouette, ça va plaire aux ouais, enfants, ouais, c'est ça. Chouette, ouais. Hop là. Pas mal. Qu'as-tu à dire là-dessus? Je sais pas, je sais pas quoi dire. On l'a déjà fait. Je sais pas quoi dire, on l'a déjà fait, mais... C'est laborieux, hein. Mais voilà. Allez. Déjà que la première fois, on n'avait pas dit grand-chose. Arrêtez de m'abîmer. On va pas en dire grand-chose la deuxième fois non plus. C'est une catastrophe. Bon, on peut parler des animaux en voie de disparition. Alors, le dodo. Il y a alors, chanceté. Je suis contre la misère. Voilà. Je suis contre la misère. Je suis contre beaucoup de choses. Et je suis contre la variété. Je suis contre la variété. Contre la variété. Ouais, je suis personnage, puis qui tourne en jouant. Qui tourne en jouant. Celui qui gagne décide si c'est un bon jeu ou un mauvais jeu. Très bien. Voilà, vous ne le saurez pas, on tiendra au courant. Au plaisir de vous voir. Allez, à bientôt. À bientôt. Mon ami, je sais pas très bien. Hop là. Voilà, je sais pas. On s'électrifie un petit peu. On s'électrifie. Oh, on revient. Et sur... voilà. Ah, rigolo, chouette. Bon, écoute. Il y a pas mal de petites choses. J'aime bien quand tu parles avec autant d'intérêt et autant de cœur de choses qui ne t'intéressent pas. Tu es formidable. Je sais. T'as ce don d'essayer de convaincre les gens. Je suis à fond dedans, t'as ce c'est de la bombe. Non, mais si, on peut faire des choses. Attends, je vais te pousser un petit peu, gentiment, pour faire accéder. Donc, moi, je pense que l'intérêt du jeu, il réside un petit peu dans ce petit truc-là, où on peut s'amuser, mais... Tu penses trop en ce moment, tu penses beaucoup trop. Il y a la cité. Ça doit être ça. Là, je ne te vois pas, hein, par exemple. Bon, là, je suis un peu à l'arrière, j'ai mal au pouce. T'es un peu à la ramasse. Je la ramasse. Pour montrer des trucs de ouf. Ça te fait plaisir, si, ça te fait plaisir. Dis-le que ça te fait plaisir. Arrête. Je comprends pas, j'ai pas d'inspiration, je sais pas quoi dire, quoi. On a déjà dit, on va parler du diable de Tasmanie, la Tasmanie, les animaux. C'est le jeu qui te laisse sur le cœur. Allez, ressaut, remonte, abruti. Tiens, tombe. Vas-y, tombe, fais-toi plaisir. Il est où ce pont? Regarde. Oh non, tu as dit un horrible. Ah oui, j'ai. Ah, d'accord. Non. Alors, je peux revenir peut-être. Non. J'en peux plus. Allez, décédons. Oui, décédons. Où est-ce que je suis là? Oh, ce level 1 est catastrophique. Le jeu. On change. Ouvrons une tribune peut-être. Bah, ah tribune, voilà, regarde. J'ai un magnifique chewing-gum qui me permet de voler, de casser les caisses qui sont en l'air. C'est pas bon ça? Pardon. Samuel, t'es vous, je passe. Je passe sous une porte rouge. C'est magnifique. Ouais, j'ai trouvé une caverne sous la montagne. Oh, quel beau sapin. Oh, magnifique, des petites barrières. Et si on sautait? Et chez vous, vous aimez les sapins? Marré, on a parlé de plein de choses. C'est bien marré. Hein. Voilà. Bon, faut dire au revoir. L'élément le plus important de ce level 1, c'est au revoir. Au revoir, vite. Salut. Allez, salut. Oh 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 oh. Everybody runs through you starting. Je suis tout seul, hein. Grave tout seul.
Bonjour, ça fait partie de ces grands moments de solitude. Quoi, Cyril? Un jeu, alors Infogrames, Atari oui. plutôt, oui. nous ramène sur Xbox un jeu de cartes. Et ma foi, c'est chose peu commune. Oui, parce qu'on avait l'habitude de jouer aux cartes plutôt entre amis, un bon rami, une belote. Alors, voilà, merci bien. Bon, usuellement, hein, le menu, la petite course rapide, qui ne veut pas dire que cette course soit vraiment rapide, mais c'est pour à débuter comme ça d'entrée de jeu. Donc on enchaîne et on prend au pif, je sais pas, un personnage, tiens, ben voilà, une... Oui, lui, oui, ses chakras ont l'air vraiment bien ouverts. Ah, lui, il a l'air cool. Il n'y a pas de perte d'énergie. Lui, c'est un vrai mec. Le mien est tigré. Et on va y aller. Comme Tigrou, qu'est-ce qu'il disait tout le temps, Tigrou? Ouais, il fait, il parlait pas énormément. Non, il sautait sur sa queue et puis il rigolait pas. C'est tigrement bon. Mais si, il disait ça. C'est tigrement bon. Avec son pote Coco Lapin. Coco Lapin, Bruquet. Ma tribu. Il était un peu tombé. Hop là. Premier saut raté, bravo Yannick. Difficile. Hop là, regarde. Il y a même des graphes pour faire un petit peu jeune. Tiens, dégage. Allez hop. Eh, c'est coolos ce commentaire. Ouais, ça fait nul. Hein. Ah ouais. T'imagines, ça t'arrive à quelqu'un, tu fais « Eh, c'est coolos ce On dirait un provincial comme Pierre. L'attaque. Ah, l'attaque. Attaque des provinciaux. Il va y avoir un retour de bâton horrible sur le net. Mais non, ça va être horrible. C'est trop rare, mince alors. Ouais, ouais, ouais. Hop là. C'est quoi ton jeu de cartes préféré? Ben, je sais pas, je n'en connais pas beaucoup. Non, dans les cartes, les cartes à jouer. Le pouilleux. Non, je ne comprends rien de ce qui se passe. Je sais pas. Moi, je vois les flèches à l'envers, mais je continue. Je suis un warrior. Mais moi, je vous assure que c'est un jeu où on rigole bien. Et sur ce, pouf pouf, on se dit au revoir. Pouf pouf, tagada, on se dit à bientôt. Au revoir. Le premier arrivé, et on va mettre le tien. Là, je vais te faire une petite dédicace. Non, c'est trop gentil. Aujourd'hui, c'est Manu, donc M-A-N-U, c'est bien ça? C'est ça. C'est tout à fait ça. Ah oui, mais j'étais bon en orthographe déjà à l'époque. On va pouvoir mettre des petits coups de pied comme ça. On va essayer d'en bousculer un petit peu. Ça, oh, c'était joli, t'as vu les petits effets. Oh, attention la chute. Mais ça veut dire quoi, non? Comment on dit un quad en anglais? Je sais pas, un quad. Ouais, je pense, ouais. Donc, bonjour, bonjour. Quelle belle introduction. Cuivre et tambour battant. Cuivre et tambour, jeune padawan. Comment vas-tu? Ça va, maître. Bon, eh bien, écoute, si tu n'es pas sage, tu n'auras padawan. Hop de... Allez hop, allez, et ça continue, les blagues qui sortent le foin pourri, c'est parti. C'est une espèce de dada pour Wookie. C'est un dada de Wookie. Un dada Wookie. C'est ça. Et c'est pas un Yuki. Ah non. T'es où un de Wookie. C'est pas un dada de Yuki. Des petites armes, ce que je vais faire, parce que là, on peut tirer des missiles. Alors je vous en tire voilà. Comme ça, vous voyez bien. Donc, ça c'est la vue intérieure. Voilà, voilà. Tu expliques très bien. Donc là, il y a différentes petites missions. Non mais c'est vrai, tu es une espèce de talent oratoire, ah, bon. Un charisme de voix, un projet de tête, un jeté de mots. J'aime bien ça. C'est bon. Alors là, on n'est pas chez Drucker là. Non, c'est pas ça. J'aime bien quand tu me caresses comme ça, la Michel Drucker. Dans le sens du poil. Toujours. Regardez vivement dimanche, je suis très instructif pour caresser les, il y a des les amis dans le sens du poil. Une émission jeune et dynamique. Moyenne d'âge, bon 64 ans. Ah, 64 ans à peu près, il y a une petite jeune, une espèce de fille bouclée comme ça. Ah oui, une petite jeune de 40 ans. C'est Poulain, c'est la petite poulette. La pouliche. La petite poulette. La plupart du temps, c'est très simple, oui. Il faut tout simplement tuer tous les chars. Voilà, c'est la seule chose qu'il y a à faire, mais tuer tout, mais... tous les chars. Vous avez fait des études pour pouvoir y arriver ou alors c'est accessible? C'est si très long, non, c'est absolument pas inaccessible. Si tu veux, tu as deux grandes écoles. Tu as l'ENA, oui. L'école nationale d'administration, oui. Et tu as l'école du Level 1, qui est aussi, aussi respectable. Si ce n'est plus. Parce qu'il y a de l'intégrité derrière le voilà, Level 1. Et nous organisons justement des stages d'entrée à cette école, tous les deux, pour la modique somme de 10 000 francs la semaine, par groupe de 15. Ouais, mais là, vous apprendrez plein de petites anecdotes. Les féminines seront plus avantagées que... Interdit aux moches. Mais non, on aime bien les moches aussi. Que c'était Raël qui avait... qui avait commandité cette armée de clones. De clones, Pour pouvoir fomenter une révolution et instaurer, si tu veux, une république corrompue. C'est bien ça. Et d'ailleurs, tu es en liaison télépathique avec Raël. Oui. Et l'homme il me parle. C'est Dolly. Dolly est décédé, non? Et Dolly est décédé. Ça n'a pas duré longtemps. Donc, à mon avis, si son armée a cette durée de vie, c'est bon. C'est bon. On va pas se battre très longtemps. On va pas. J'ai voulu inviter Raël, il n'a pas voulu venir. Non, il n'a pas voulu venir, mais c'est quelqu'un qui a des obligations. Oui, tout ce grand gourou a beaucoup d'adeptes à soigner avec sa main. Comme avec la force d'ailleurs. Comme avec la suivre la petite flèche. Oui, voilà. Oui, je suis. Et d'ailleurs, je mets un petit coup de boost parce que je suis en retard. Oui, voilà. Tu...
Ton énergie, ton mais énergie, alors, c'est pas évident. Ouais. Le gameplay est tordu, il a chié le ouais, gameplay. Ouais, c'est l'envie de pouvoir. L'envie de pouvoir personnel ou l'envie de pouvoir assez compliqué. C'est-à-dire qu'il faudrait, pour être plus heureux comme Yoda et avoir une petite taille, vivre 400 ans. Ne penser qu'à soi. Et puer le sapin, ne penser qu'à soi et faire un espèce de. Vivre dans un endroit qui sent un petit peu la cage d'hamster. Voilà. Je joue avec toi. Bah oui. Avec toi, et si tu pouvais, comment dire, illustrer un petit peu ce jeu, l'attaque des clones, en essayant de parodier un petit peu, tu utiliserais peut-être quelque chose, un nez rouge, et tu ferais l'attaque des clowns. C'est possible. Est-ce que tu peux faire ça? Alors. Et nous faire une sorte d'attaque de clown. Nous simuler une attaque de clown. Vas-y. On peut sortir, là, s'il vous plaît. On sort. Alors, attention. L'attaque des clowns, acte 1. Yannick. C'est nul, c'est magnifique, c'est une belle idée. Attention, là, l'attaque de clown acte 2. Rien ne peut m'arriver aujourd'hui. Ah, voilà le clown. C'est l'attaque des clowns. C'est l'attaque des clowns. Va-t'en, Bozo. C'est l'attaque des clowns. Ah, le vilain Bozo, j'ai toujours peur du cirque des clowns. Allez, on reprend le sérieux. Allez. On arrive en mode à deux qui est purement anecdotique puisqu'il est fatigant, nul et inutile. Bon, ça sert. Saluons l'initiative. Ça fait bien sur la pochette. Saluons l'initiative. Marqué deux joueurs sur la pochette. Ça tu dis, tiens, j'achète. J'achète deux joueurs. Ça double l'intérêt du jeu. Je reste social, je jouerai avec petit frère. Il s'attendra mieux. Vous pouvez s'attendre à mieux. C'est ça que j'aurais dit. C'est une belle conclusion. C'est une belle conclusion. L'émission touche à sa fin. Une petite attaque des clowns pour finir. Allez, vas-y. Mais comme cette attaque est virulente. Bon, bah l'attaque des clowns, c'est fini. Yannick, merci. Johan, merci. À vous, merci d'être resté. Voilà.